Bonjour à tous, moi je m'appelle Jordan, je suis boulanger et là je sors de faire les courses, mes courses que je fais chaque semaine et je suis sidéré d'avoir vu que derrière moi, sur deux personnes qui attendaient derrière moi la queue de la caisse, il y avait déjà deux personnes qui achetaient des baguettes, mais juste des baguettes, ils sont rentrés juste dans le Super U pour acheter deux baguettes chacune. À un moment donné, il n'y a pas des boulangers dans votre quartier, il n'y a pas des boulangers dans votre village? Après, achetez vos baguettes à Super U, à Marie Blachère, à Carrefour, pas de souci. Mais dans 20 ans, un dimanche, quand vous serez là, ben t'es, je vais m'acheter un petit gâteau pour fêter l'anniversaire de mon petit. Ben non, il n'existera plus ce boulanger parce que vous l'aurez tué le boulanger. C'est pas compliqué. Vous l'aurez tué. Vous mettez tout votre argent là dans les grands centres commerciaux là. Mais c'est n'importe quoi. En plus de ça, vous achetez quoi? Vous achetez du pain de merde. Aujourd'hui, tout le monde gueule. Il faut manger bio, il faut tout ça. Mais non! Leurs baguettes qu'ils font, c'est des baguettes remplies d'améliorants. Pourquoi vous croyez que ça coûte 35 centimes une baguette chez eux? C'est pas pour rien, à un moment donné. C'est qu'ils achètent des tonnes et des tonnes de farine. Ils ont des rabais là-dessus. Et en plus de ça, c'est rempli d'améliorants. C'est le travail bâclé. C'est pas comme chez un artisan. Vous vous plaignez que chez l'artisan, c'est 1€, 1,10€ la baguette. Mais merde, c'est un artisan boulanger qui l'a fait cette baguette. Elle est faite avec amour, elle est faite avec des vraies farines. Alors si vous achetez une baguette de tradition française, c'est pas pour rien. C'est un label qui a été fait en 93 pour les ignorants, qui est fait pour mettre en avant l'artisanat français. C'est pour manger sain. C'est une farine où il n'y a pas d'additifs, d'améliorants, toutes ces conneries qu'il y a dans vos baguettes à Système U, Marie Blachère, etc. Parce que oui, là, le gros truc, tout le monde dit « Ah ouais, Marie Blachère, c'est bon. » Mais arrêtez à un moment donné, oh. C'est des stations, c'est des trucs qui fournissent leur plateforme de vente. Et apprenez à reconnaître une vraie boulangerie. Une vraie boulangerie, il faut qu'il y ait écrit « boulangerie » dessus. Quand il y a écrit « au bon pain », « à la croissanterie », »,« à la micaline », tout ça, ce n'est pas des boulangers. Ce sont des personnes qui se lèvent à 6 heures et qui cuisent leur pain dans un four qui est déjà… Le pain est prêt, il est congelé, il n'y a plus qu'à mettre au four. Un artisan boulanger se lève entre minuit et 2h du matin. Ça, c'est un boulanger. Donc arrêtez d'aller acheter vos baguettes à Système U, à Carrefour, à toutes ces conneries, bordel de merde. Faites marcher votre artisan. Certes, pour vous, c'est cher. Mais alors arrêtez d'acheter du bio alors si c'est cher. Le bio, vous savez combien ça coûte hein, chez les grands commerciaux là? Mais c'est exorbitant le prix. Hein. Un pack de lait bio, c'est presque le double que du lait normal. Donc là, c'était un putain de coup de gueule, parce que j'en ai marre que vous achetiez tous vos pains. Et alors, les pâtisseries, j'en parle même pas dans les grandes surfaces. Faites marcher l'artisanat français, on en a besoin, bordel de merde. Dans 20 ans, le métier de boulanger est voué à disparaître. Mettez-vous bien ça dans le crâne, les gens. Un jour, nos petits-enfants n'auront plus de boulanger pâtissier dans leur village, ce sera fini.